Séduite par l'île intense, c'est au tour d'Ashley Everett de conquérir les Réunionnais avec son défilé de mode axé sur la danse. C'est beau, regardez cette vue, c'est juste incroyable. À seulement 30 ans, la capitaine de danse de Beyoncé possède sa propre ligne de prêt-à-porter qu'elle présentera demain à quelques chanceux. On mélange la danse avec la mode, des mannequins, il y aura des danseurs également. Je ferai l'ouverture, mais j'apparaîtrai aussi au milieu du show, puis à la clôture. Vous savez, la danse, c'est aussi ce que l'on porte pour voir le corps bouger. Pour moi, c'est juste logique. L'un ne va pas sans l'autre. Faire de La Réunion une terre de mode, c'est l'objectif que se sont fixés David Noël et son collaborateur. Les producteurs événementiels prévoient d'inaugurer la première semaine de la mode réunionnaise dès l'année prochaine. Une semaine où des intervenants et des grandes figures de la mode viendraient partager leur savoir-faire, mais pas que. La deuxième chose, ça va être un défilé de mode. Un défilé de mode dans lequel on va faire venir à chaque fois une icône de la mode. Ce défilé permettra à ce que les médias du monde entier spécialisés dans la mode puissent braquer leurs projecteurs vers La Réunion et vers les talents et les créateurs de La Réunion. Et pour le lancement de leur ambitieux projet, les deux producteurs événementiels ont déjà leur petite idée en tête, la très célèbre mannequin Winnie Harlow.